Bele mama, ele ele ele. Hey, zoni matanga na noka mama ma. Zoni finingo na mwewe. Kama wewe, kama e mama, kama lele. Oh oh oh. Kama wewe, wewe, e mama, kama wo 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 wo, zoni una moya. Ama wewe, wewe, yele mama, kama wo 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 wo, oh, eh 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 eh. Eh. Kama ye 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 ye. Kama wo wo wo, kama mo bimba, na dunia mo bimba, eh eh, eh barangwe. Eh. Kama lele, le, oh yele lele, kama wo wo. Hey, yeah, yeah. Hey, hey, hey. Hey. Ba-ba-da-da. Bam-ba-da. Je te fais maintenant le son de méditation. Ah oui. Nouvel an, nous sommes live. Oui, et c'est pour, ici Imaru. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir Wandara Topso avec son merveilleux Goni. Voilà, j'ai dit Goni comme avec un accent là, c'est Goni. Aujourd'hui, je ne veux pas prendre de place. Hein. Le Goni est là et on profite pour entendre ces merveilleuses sonorités. Comment ça va, la Renaissance Family? N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous remercier, pour remercier surtout Wandara qui joue pour nous pour le nouvel an. Merci. Marchons dans la voie de la liberté. Ouvrons la porte de la gratitude.
dans la voie de la liberté. Marchons dans la voie de la liberté. Ouvrons la porte de la gratitude. Souhaitons-nous tout ce qui est de merveilleux pour la nouvelle année. Entamons-la avec tout ce qui est merveilleux. Qu'est de l'énergie positive. Que de la force pour confronter toutes les difficultés et affronter tous les défis. Les défis nous montrent qui on est, où on va et où on est. Si on les embrasse, on embrasse aussi notre destin. Je peux même dire que les défis continuent, constituent notre destinée pour comprendre le destin. Alors on marche sur la voie de la liberté. Moi, ben, tu me surprends là, j'avais formulé ça et je peux oublier. En fait, c'est par rapport à, je souhaite que ceux qui ont de la substance, ceux qui ont véritablement la sagesse, ceux qui ont véritablement le savoir à partager, qu'ils aient plus de visibilité. C'est ce que je souhaite. Parce que ces derniers temps, c'est comme si les enfants de APEP, c'est-à-dire ceux qui sèment le désordre, ceux qui vendent l'illusion aussi, hein, ceux qui vendent l'artificiel, c'est comme si c'est eux seulement qu'on voit. Et puis, ils ont tendance à vendre justement de l'artificiel, je me répète. Donc, j'aimerais qu'il y ait, je souhaite que ce soit un renversement, qu'on voit plus les véritables, les authentiques, qu'on voit les vrais. Je souhaite aussi la lucidité pour nous tous, afin qu'on puisse reconnaître justement qui est vendeur d'illusions, n'est-ce pas ? Qu'on puisse voir avec des yeux lucides qui arrive vraiment avec de l'authenticité, de la substance, de la sagesse pour nous et pour nous aider à avancer, à l'opposé de ceux qui portent vraiment un manteau et vraiment qui portent un manteau de l'illusion finalement, on va dire, parce que lorsqu'on enlève le manteau, il n'y a rien derrière. Bien sûr, je nous souhaite. J'ai beaucoup de souhaits. On va continuer d'écouter le Goni avant que je continue.
Évidemment, je nous souhaite la santé, la prospérité, toutes ces bonnes choses. Mais de surcroît, je voudrais que pour cette année, on puisse avoir la lucidité. Je voudrais que pour cette année, on puisse... qu'il y ait plus de visibilité aussi pour l'authentique, pour les enfants de la MAAT. Mais cela dit, vous savez, 6260, donc 6260. Vous savez que ce que ça nous donne comme code, c'est celui du changement. D'accord? Donc là, oui, c'est votre oracle qui parle maintenant. Tout à l'heure, c'était Omanda qui donnait ses soins, mais maintenant, c'est votre oracle qui vous parle. Et qui vous dit quand même que 6260. Il faut s'attendre au changement. Donc, pour cette nouvelle année, ça ne sera pas facile. Et je veux dire, en fait, il ne faudrait pas prévoir des choses qui sont stables ou des projets qui sont très stables. Il faudrait s'attendre au changement. C'est une année qui va bouger, qui va faire bouger beaucoup de choses, qui va chambouler beaucoup de choses. Il y aura énormément de changements, mais de façon soudaine aussi. Bon, je vous l'annonce, mais ce n'est pas pour commencer à paniquer, n'est-ce pas? C'est simplement pour se préparer et puis naviguer, comme j'aime le dire, à travers les vagues justement de ce changement. Imhotep Lynn, tu es la bienvenue, hein, tu sais, tu es la bienvenue. Je t'assure que c'était pas planifié, ça donnait comme ça vraiment. L'artiste est arrivé avec son goni, et puis voilà, c'est le cadeau, en tout cas c'est mon cadeau du nouvel an. Donc tu es la bienvenue si tu veux faire un peu de route. Ces changements-là, justement, c'est pour, dans le but de quoi? Dans le but de ramener, justement, les choses à l'ordre. Dans le but de ramener la MAAT. Ok, donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment le prendre avec positivité, mais être aussi prêt à devoir, voilà, être vraiment prêt à devoir bouger, devoir partir, en tout cas devoir faire quelque chose pour s'ajuster au changement. Voyez, voilà. Écoutez, Lungoni, c'est tellement beau à entendre. On va continuer d'écouter et puis voilà, on fait silence, on continue d'admirer, d'être dans le moment présent avec cet instrument magique. Je vais aussi allumer des bougies. Je vais également aller vérifier ce qui est au feu. Thank you.
Imhotep dit que ça lui donne la chair de poule. Rejoins-nous, Imhotep. Thank you.
comment on se sent. En tout cas, c'est très apaisant. Alors, Imhotep, tu essayes de rejoindre live ou... Je pensais que tu allais prendre la route. on peut t'ajouter, hein, il n'y a pas de problème. Attends. Mais prends la route, c'est mieux. Rejoins-nous ici, live. Pas en virtuel live. Aussi la chaîne YouTube du Lab Kuruma Lab. On a eu vraiment une belle collaboration, Wandara et moi, pour les instrumentaux. Alors, les derniers instrumentaux que vous entendez sur la chaîne pour les méditations guidées ou les invocations du pardon, c'est effectivement fait par Wandara qui est ici avec nous aujourd'hui. Mais amène-le, Imhotep. Bienvenue, Kaboré. Bonne année, on célèbre le nouvel an. Kemit, on célèbre le nouvel an africain aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'honneur d'avoir l'artiste multidisciplinaire Wandara Thobso avec nous. On l'appelle aussi Wandara Création. Donc il nous joue en ce moment de belles sonorités pour le nouvel an avec le majestueux Goni. Pourquoi je dis Goni comme une leco? On dit Goni. Vraiment, je commence à prendre l'accent là. Avec le majestueux Goni. Ngo, voilà, Goni. Pas Goni. Donc, si toutefois tu ne peux pas venir, je peux te garder ta part. Hein. Together, yeah. No matter what's going on, no matter what.
sun. Oh, but all the stop go, all the ups they call. No matter all the ups and downs, I'm moving up. Hey, hey, yeah, 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 yeah. Oh, I'm standing up. I'm standing up. I'm moving up. I'm looking up and moving up. Always up, up, up. Join me now and sing with me. Yeah, 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 yeah. Oh, my la 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 la. I'm moving, Baba, don't have to be. Yes, I'm coming by, you can sing it. Itambula la kwetonga la zo. Come on, mama, you're me nanduzo. Itambula la dunia mobimba. Yeah, 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 yeah. Asukwe na sese so. Mino bambe siya wambabe. Esukwe na sese mobimba. Asukwe aduna toto. Bitele na molondoka. Yeah, 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 yeah. Oh, I'm standing up, I'm moving up, I'm looking up, 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 up. No matter what's going on, no matter all the ups and downs, I'm standing up, I'm moving up, I'm growing up. Ah, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Est-ce que tu sais que ton instrument nous fait en fait méditer? On se sent recentré en ce moment. Et c'est comme on est en train de faire la méditation de l'élévation. C'est comme ça que je le sens. Et je suis dans les hauteurs avec ton moving up. Je sais pas. Dites-nous aussi comment vous percevez cette dernière chanson. Oui, voilà. Merika nous dit yes. Donc, merci Ongoni, merci à toi. Tu nous fais nous élever comme ça. Réfléchissez sur le mot, hein. Oui. Don't matter what's going on. C'est ça, oui. I make my mind. I'm standing up. I'm looking up. So I'm moving up. Always up, up, up. No matter what's going on. I'm really moving up, up, up. The sky is the limit, but I see the lights of freedom. I'm really moving up. Oh, yeah, 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 yeah. Nando kamo bapa si singe, sa pono timo si singe singe, yoli timo nanduzu, mobano nanduzu, motoni nanduzu, eh, dunia mo bimba, dunia mo bimba, azo mo bimba, pasi mo bimba, isoko mo bimba, awanti ki singe singe tongaso, ah, ebando ayo, tongaso, 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 nalazo, nabiso, nabiso, tongaso, so kwe, eh, eh, bando ayo, ah, yoli ato, ah. Dodo tingi ya, dodo tingi ya, engia tingi ya, tuta tingi ya, tunga somo bando ayo, tunga somo bando ayo. To stand up, look up, and move up. The sky is the limit. Do you see the light of freedom? Hey, I do. Do you see the light of freedom? I do. Oh, no matter what's going on. Hey, yeah, 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 yeah. Effectivement, oui. C'est profond et formidable. C'est ce que Canix dit, que c'est profond et formidable. Ah, Canix est là. Et surtout dès que tu chantes, en tout cas, j'ai plus de mots, parce que moi j'aime le plus quand tu vas dans la langue. Alors ça me touche vraiment encore plus. C'est comme si c'est Kama qui me parle. C'est ça. Ouais. En fait, c'est pas comme si tu nous parles à travers Kama. Je vais vous partager un petit secret, ok? Pendant que moi je vous chante,
Je suis en train de me voir complètement planer sur le continent, mais oui. en saison sèche. Ouh là là, ouf. Je sens les herbes sèches, je sens des pluies qui sont tombées dans certains endroits et pas dans d'autres. Et puis, c'est comme si Kama avait dit, ben, y a la vie, quoi, y a le soleil. Oui. Vous comprenez, c'est difficile pour certaines personnes de comprendre, mais c'est ça. Non, ne t'en fais pas. Je pense que tous ceux qui sont connectés sont vraiment alignés avec ça, ce qu'on est en train de dire. Oui. Alors, qu'ils profitent de cette liberté, élevez-vous. C'est ça. Élevez-vous. Sachez que c'est seulement votre volonté qui va vous limiter. Quand vous avez la capacité, le pouvoir est en vous. Ah ben, si vous voyez le pouvoir de la pensée, vous libérera. Hein? Oui, super. Ben oui, le Ngoni est vraiment sacré. C'est pour ça que je disais en Sambo, laisse la souffrance, libère-toi. Oh, super, merci. Laisse les pleurs, libère-toi. Laisse les larmes, libère-toi. Laisse les craintes, libère-toi. Prends ton essor. Super. En fait, c'est ce que c'est on vraiment. A dit, oui. Zapa Simono Dodo, laisse les souffrances, lève-toi. Zapa Nomo Londo, laisse les douleurs, lève-toi. Exact. Zambetomo Londo, laisse la peur, lève-toi, tu vois. Ok. C'est ça. Ok. Zapa Simono Londo, Zapa Nomo Londo, Zapa Simono Londo, Zapa Nomo Londo. Enganabe, donc souris avec tout ton cœur. Exact. Yeah 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 Zapono na souffrance, zapono na yeso koe monta anga lege namo. Yeah, 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 yeah. Merika dit qu'elle savoure. Yeah, 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 yeah. C'est de ça qu'on a besoin vraiment pour commencer justement la nouvelle année. On laisse tout, on se libère, on laisse tous les poids derrière, on laisse la peur et on avance. Parce que de toutes les façons, comme je vous l'ai dit, 6-2-60, les changements arrivent. Il va falloir être vraiment flexible. Va falloir être tous les éléments aussi à la fois. Il ne faudra pas être trop élémentaire, c'est-à-dire ancré et immobile et fixe et ne voulant pas bouger, que ce soit dans nos actions ou bien que ce soit dans nos pensées aussi. Donc il faudra être élémentaire en tant que... Là, je parle de nous individuellement, quoi. Quelle attitude on doit avoir? Quelle attitude, en fait, alchimique on doit avoir? Okay? Lorsque je dis attitude alchimique, c'est-à-dire en parlant vraiment des éléments, n'est-ce pas? Donc, il faudrait être aussi l'eau, surtout l'eau. Parce que l'eau accueille tout, l'eau... C'est Fela qui dit, water no get enemies. L'eau n'a pas d'ennemis, vous voyez? Il faudrait être aussi le feu, afin de pouvoir... Voilà, quand le changement va peut-être nous prendre de surprise, pouvoir courir et voilà, et agir au moment où il faut. Faudra aussi être l'air, afin de pouvoir se sentir bien partout et peu importe le lieu où on va se retrouver en fait, ou le lieu où on va aller, ou peu importe le lieu où la vie pourrait nous emmener. Okay. Vous voyez, donc pour cette nouvelle année 6-2-60, faut vraiment faudra prendre un peu de chacun des éléments, hein. Il faudra être ces éléments au fait. Vous voyez, de victoire, vous voyez,
C'est quand vraiment tu as réfléchi, tu as passé à travers tout ce que tu vis et tu as vu vraiment que ben là, tu sors avec un programme, un plan qui te libère. Alors tu pousses un cri de victoire. Et ce tout ça, c'est aussi le fait de le répéter, la vibration, c'est celle de du Harit Kepera, c'est-à-dire le chakra du cœur. Donc commençons aussi l'année avec le cœur. Commençons l'année aussi avec l'esprit de victoire, avec l'esprit victorieux. C'est notre racine. Kanix dit c'est notre racine. Parce que je pense que tu parlais de Kama et on parlait de le son du ngoni et tout ça. La vibration quand il joue. Imhotep dit la vibration quand il joue. D'accord, merci. On écoute. Et que chacun de nous revienne à lui-même. Que chacun de vous revienne à lui-même. C'est la seule condition de départ pour la véritable liberté. Soyons nous-mêmes, soyons chez nous. En fait, pour moi, en ce moment, c'est... On aurait dit que nous avons un artiste qui vient de la région du centre, n'est-ce pas, de Kama. Mais lorsqu'il a dit que ce son, c'est pour le retour à soi, eh bien, ce qu'il joue, ça me ramène au mandé, au fait. Nous sommes bel et bien un seul peuple. Nous avons cette capacité de connecter en fait avec le cœur des autres. Je
vous dis ça parce que vraiment, oui, Wandara Thobso, c'est un artiste qui, dont l'origine, c'est le centre. Mais dans ce qu'il joue, il me ramène vraiment au Mandé. Vous voyez? Voilà, il me ramène au Mandé. Alors, bon, en fait, oui, non, mais le Goni, c'est de, mais c'est ça, en fait, oui, il est, justement, il est du centre et il a juste, en fait, lui, il prend un instrument, il écoute, qu'est-ce que l'instrument lui dit. Il m'a, j'ai pas envie de parler de l'histoire, je voudrais que ce soit lui-même qui vous parle de son, de l'histoire avec les instruments, parce qu'il, lorsque l'instrument l'a accepté, voilà, il le prend et il le joue. C'est comme ça. Oui. Ok, les gens veulent savoir. Ben non, ça, oui, ça serait bien que tu expliques parce okay. que effectivement, tu es du centre et le Ngoni, c'est ça, c'est de l'ouest. Oui. Alors, on se demande là, le Ngoni, c'est, on savait pas que ça venait du centre. Il y a Ramushka, j'espère que je prononce bien ton nom, Ramushka Mandinka. Donc, je savais pas que le Ngoni existait au centre. Bah, je pense que c'est vraiment de l'ouest. Oui, au centre, nous avons la sitar. Voilà, qui est similaire. Oui, on appelle ça le kundi. Ok. Ben, je pense que la prochaine fois que j'irai en Centrafrique, je vais ramener une kundi, en fait. Ou la kundi, je ne sais pas, mais le kundi, ce serait mieux. Mais c'est aussi, ça vient avec 8 cordes, ça vient avec 12 cordes, ça vient avec 24 cordes. Mais, okay. mais ça veut dire que ces cordes sont plus nombreuses même que les cordes de la kora, vous voyez. Okay. Mais ce n'est pas beaucoup connu. Mais certainement qu'en jouant le Ngoni, je pense que le Kundi m'a interpellé. Donc quand je suis arrivé en Centrafrique, certainement que je vais ramener. Donc voilà, le Ngoni te ramène au Kundi. Oui. Wow. Parfois quand je joue le Ngoni, c'est comme si ça a tendance à me dire quel instrument le Ngoni aimerait que, à l'accompagner, par exemple. Ok, bon, l'histoire est que Siaka Diabaté, qui est venu du Burkina, est la personne qui a fabriqué le Ngoni ici au Canada. Ok, et puis fièrement, je suis allé l'acheter et j'ai aussi acheté une kora. Bon, l'histoire avec la kora, c'est qu'il y a une kora que j'ai achetée à Montréal qui m'a vraiment épousé. Mais elle prend encore du temps à se révéler à moi. C'est une femme, c'est comme si c'est une femme capricieuse qui prend son temps. Il faut la connaître, il faut la courtiser. Ça, c'est cette relation-là que j'ai avec la Kora. Mais là, j'ai demandé à Siaka de m'apprendre le Ngoni. Il est venu une fois, il a pris le Ngoni, il m'a fait de ces choses-là que j'ai dit, ouais. Alors, j'ai pas continué la formation avec Siaka parce que lui-même n'a pas le temps. Oui, très bien. J'ai laissé le Ngoni alors chez moi pendant une semaine. Et un soir, quelque chose me dit, prends le Ngoni, ferme les yeux et joue. Voilà. Donc, j'ai fermé les yeux, je ne voyais pas les cordes. C'est pour ça que quand vous me voyez jouer le Ngoni, souvent je ferme les yeux, ça me permet d'aller ailleurs, d'être si à l'aise. Et en même temps, là, tes doigts savent. Mes doigts vont avec ça, ça va avec, juste comme ça. Oui. Et donc, après une semaine, j'ai commencé à jouer. Donc, après une semaine, j'ai pris le Ngoni, j'ai fait un spectacle avec. Après. Les gens ont trouvé ça génial. Ils m'ont demandé, mais depuis combien d'années tu as commencé à jouer ça? Oui. En fait, c'est l'instrument qui s'est révélé à moi. C'est comme ça que je peux vous dire. Quand vous voyez, par exemple, un enfant prend un instrument et se met à jouer, c'est que l'instrument s'est révélé à la personne. À ton esprit, parce que notre subconscient n'a pas de limitation. C'est comme les langues, par exemple. Notre subconscient peut parler toutes les langues, mais c'est juste notre conditionnement qui fait que, ben, on n'y accède pas.
Et c'est d'où la raison de justement se connecter pour pouvoir accéder. C'est pour ça que j'ai prié tout le monde de revenir chez soi. Exact, pour pouvoir se connecter. Notre monde ici de l'Occident vous conditionne à être loin de vous. Mais on profite de vous quand vous êtes loin de vous parce que votre maison est vide. En cas, c'est comme si vos acquis, tous vos biens précieux ont été abandonnés au détriment de quelqu'un d'autre qui s'en sert comme il veut. Alors le Ngoni s'est révélé à moi et parfois quand je ne me sens pas bien, je le prends. Mais le Ngoni, pour ceux qui sont avancés dans l'énergie, le Ngoni vraiment vous ouvre le chakra du haut, donc la couronne. Ouais, il travaille avec vous vraiment là. Parfois il travaille aussi avec ma gorge et puis active carrément très rapidement le chi. Je peux le sentir circuler comme ce matin. Je réfléchissais tellement sur certaines choses dont j'ai pris l'Ngoni, mais l'énergie a commencé à m'aider comme ça. C'est comme si le son a compris que j'ai besoin d'être boosté. Voyez. C'est vraiment terrible comme ça. Si, je ne sais pas si je peux employer le mot terrible ou bien. Terrible dans le bon sens. Oui, ou intense, c'est la même chose. Moi, je me dis alors que chacun de vous a ses capacités là aussi. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous, mais vous êtes unique dans votre genre. Alors vos capacités uniques peuvent être révélées et vraiment, si vous revenez à vous, vous avez votre voie de la liberté parce que être vous-même, c'est être libre, vraiment. Être vous-même, c'est être libre. Et tu as parlé de maison aussi tout à l'heure, que lorsque on quitte la maison, la façon dont je l'entends, c'est les deux maisons ou bien même les trois maisons. C'est autant le lieu physique, mais c'est aussi par rapport même à nous-mêmes. Lorsqu'on n'est pas avec nous-mêmes, bah, les autres nous font faire finalement, nous font diriger en fait l'énergie vers leur projet. Donc j'ai voulu revenir sur le terme maison parce que c'est important. Quelqu'un a dit que la maison, c'est là où l'esprit se trouve. Ori. Yeah, le Ori. Cette même personne a dit que les gens n'ont pas compris, mais Kama, entre guillemets Afrique, c'est la terre vivante, la conscience vivante de l'humanité. Donc en anglais on dit the animating spirit of the world. La conscience, donc Kama, la conscience vivante de l'humanité. Eh oui, nous devons prendre conscience de ça. Alors, Onti, vous êtes en train de jouer à quel endroit en ce moment? Mais bien sûr, tu sais, pendant que tu jouais la chanson de l'élévation là, moi j'étais assise, je disais mais c'est parfait. Il pleut dehors, l'ambiance est belle, la musique est tamisée. C'est vrai, nous sommes donc chez Imaru Omanda Kuruma, moi, que vous entendez. Et voilà, l'artiste s'est invité et avec plaisir, avec honneur que je le reçois. Et je disais aussi au début du live qu'on a fait des collaborations. Donc pour la chaîne Kuruma Lab, les instrumentaux que vous retrouvez, des méditations guidées, il nous a fait le plaisir de les faire. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes chez moi. Mais c'est sûr que Wandara ne va pas se limiter à jouer chez moi. Tu fais quelques lives aussi de temps en temps en ville. Et puis, je t'ai déjà accompagné avec le djembé. Je suis son élève. pour le djembé au centre-ville, je t'ai déjà accompagné. Ça a été une belle expérience. Les touristes étaient waouh. Je trouve que ceux qui ont beaucoup bénéficié, ça a été vraiment les touristes. Ils étaient heureux de voir ça. On a eu des Chinois, des Coréens qui étaient venus donc pour des ateliers comme ça, mobiles de djembé. En tout cas, on continue d'écouter le Ngoni. C'est elle aujourd'hui la reine, n'est-ce pas? Même si on dit le, moi je sais pas, je la sens comme féminine. Bienvenue à notre grand frère Kwame. Bonne année à toi. Bonne année. Alors, je profite aussi pour dire vraiment bonne année à tous ceux qui sont connectés.
Bienvenue dans cette vibration de la guérison. Parenthèse, alors, ça veut dire, ça c'est une parenthèse, ça veut dire les soirées guérison, ça commence ici, c'est ça? Parce qu'on en a parlé. En tout cas, c'est fabuleux, c'est fabuleux, on te remercie. Pardon? Oui, c'est vrai, c'est le temps de, ouais, c'est bon, c'est le temps de... On va pas dire, se dire à bientôt, ok? En tout cas, je te dis, il y a eu du monde, ils ont vraiment apprécié. Et Canix nous souhaite bonne année. À vous aussi, merci. Voilà, on se dit à bientôt au lieu de se dire au revoir, ok? Et puis, j'ai mis, je pense que j'ai mis son profil aussi en, comment on appelle ça, dans la description. Alors, si vous voulez le suivre... D'accord. Si vous voulez le suivre. Mais ça, en tout cas, il y a des idées qui remontent. Ah oui? Ouais. On va écrire tout ça. Mais en tout cas. Alors, bah oui, Imhotep, c'est sûr, il est là, il pourra t'apprendre, en fait. Et passer Imhotep, il a dit, moi, je veux apprendre à jouer. J'avais vu plutôt que tu avais écrit qu'il y a la guitare. Que tu as eu la guitare, pardon, je dis que tu... Moi, en tout cas, je suis bien là. Bon, mais ça, il n'y a pas de problème, puisque Siaka qui lui-même fabrique, peut lui fabriquer une gonie s'il a l'argent pour ça. Oui. Et Siaka peut aussi l'entraîner. Oui. Siaka est... je ne sais pas si moi, je peux le former, mais Siaka est... Je vois, oui. Serait la personne. La personne qui indiquée. Fabrique et qui fait les formations. Donc, il peut aussi faire la commande chez Siaka. D'ailleurs, j'ai parlé avec lui aujourd'hui et il avait fabriqué... Il y avait une dame qui m'avait contacté. Quand j'ai joué quelque part, la dame était fascinée par le son du goni. Et puis, la dame a rapidement demandé d'avoir des séances avec Siaka. Donc, Siaka a fabriqué un instrument complet comme ça pour la dame qui n'essayait plus pointer le nez. C'est beau. Voilà. Tu peux nous le montrer encore, s'il te plaît. Juste le mettre, voilà, comme ça. Oui, voilà, comme ça on peut bien le voir. Super. Super, merci. Oui. La prochaine fois, il faut écrire Wandara Tobzo là-dessus. Oui, c'est vrai, c'est la prochaine étape. Ouais. D'accord. Donc, Renaissance Family, merci d'avoir été avec nous live. Là, on s'en va dans la deuxième partie, hein, qui consiste cette fois-ci à... Ah, les autres vont nous observer en train de bouffer du bon poisson. En tout cas, vous êtes invités si vous pouvez faire la route ou bien si vous pouvez prendre l'avion. Mais vous nous observez manger, non, ou bien comment? Non, on ne va pas faire ça. Non, on ne va pas faire ça. Oh non, c'est quand même gentil. Non, on ne va pas faire ça. Ok, Imhotep, dis-moi hein, si tu veux que je garde ta part, si tu ne peux pas faire la route, ok? Ouais. Donc, on se dit à bientôt. Désolé, je sais que vous avez l'habitude de me voir, mais aujourd'hui, là, je suis dans le noun, ok? Ok, je suis dans le noun. Donc, demain, vous allez me voir, hein? Si tout va bien, demain, je ferai un live aussi, divination, si tout va bien. OK? Je ferai un live divination pour le nouvel an. On va regarder beaucoup plus. Mais déjà, j'avais commencé à donner quelques détails. Hein. J'ai parlé de changement, mais on va aussi regarder un peu tout ça. Demain, si tout va bien. Et dans ce cas, je ferai le live directement sur ma page Kuruma Lab. OK, la famille? Ça a été un plaisir, ok? Portez-vous bien, Merika, Imhotep, alors il y avait Kikanix, Kouame, Ramushka, Hassan, Kabore, Désiré, Karama, Wilfried, Guillaume Kofi, Laman Diop. Ben oui, tu avais tout ce monde, et aussi ceux que j'ai pas mentionnés. Bonne année, et à demain.